Sardines farcies au magret fumé, sardines et pommes de terre. On va désormais s'attaquer aux tuiles de pommes de terre. Alors pour cela, une pomme de terre épluchée, c'est mieux. Une fois que nos pommes de terre sont taillées donc très finement à l'aide de la mandoline, on les récupère. Alors comme on peut le constater, c'est vraiment très très fin. On les dépose délicatement sur la plaque à cuisson. On met donc du beurre à chauffer au micro-ondes. Notre beurre a fondu. Avec un pinceau, on badigeonne nos patates pour leur donner une belle couleur dorée à la cuisson. On sale un petit peu. Et on met donc un peu de poivre, légèrement. Et on enfourne à 150 degrés au four pendant quelques minutes. On surveille bien qu'elles prennent une belle couleur. On a donc sorti nos pommes de terre du four. Elles ont pris une jolie couleur bien dorée et on les réserve pour la suite. On s'attaque désormais à nos sardines. Hop. Nos magrets de canard, non mais deux à peu près, suivant la longueur de la tranche, enfin du morceau de sardine, et on roule en partant de la queue. On réserve nos sardines donc pour la suite et on les mettra au four pour le dressage final.